Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées, donc je m'exécute. Alors, c'est ma vidéo mes parfums, voilà. J'ai des nouveaux parfums que je voulais vous présenter. J'ai déjà présenté sous forme de haul, mais voilà. Ça, c'est ma boîte à parfums que je mets sur ma commode, comme vous l'avez pu la voir dans mon rangement make-up. Alors voilà, c'est l'essentiel de... c'est la totalité de mes parfums. Alors, on y va. Je vais prendre comme ça vient. Alors, le premier qui vient, c'est celui-ci. C'est le Amatillors. Lui, je l'ai acheté à Intermarché. C'est une belle alternative contre Amor Amor. Et oui. Donc lui, vous le trouvez quasiment dans tous les Intermarchés à une hauteur de 7,90 €, un truc comme ça. Pas moins de 8 €. Voilà. Pas moins de 8 €. Et il sent vraiment, mais vraiment, Amor Amor. Voilà pour lui. Je le mets de côté. Un autre que j'ai acheté en supermarché. Il est passé où? Oui, je l'ai acheté à Inter. Qu'est-ce que j'ai? Lui. Donc, Violette Macaron. Donc, c'est les petits plaisirs. Lui, il vient de Leclerc et c'est Violette Macaron. Je ne me rappelle plus du tarif. J'avais pris au promo beauté Leclerc et lui, je le porte essentiellement au printemps et en été. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais pris à Aldi tout un tas de parfums. Je ne vais pas avoir assez de place. Voilà. J'ai pris 4 parfums chez Aldi. Le premier, c'est Romance. Alors Romance, c'est une inspiration, c'est le dupe je dirais, de Coco Mademoiselle. Ah mais trop. Lui, si vous adorez Coco Mademoiselle, que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, courez chez Aldi, vous trouverez son dupe. Et donc c'est Romance. Et pareil, chez Aldi, les parfums valent 4,99 €, 7 €, entre 4 et 7 €. Ça dépend, je sais plus. Je sais plus, je crois que c'est pas moins de 7 €, ça c'est sûr. Voilà. Donc lui, comme vous avez pu le voir, il était encore dans sa boîte jusqu'à cette année. Et cette année, je l'ai sorti de sa boîte pour l'utiliser. Un autre qui ressemble à une grande marque, c'est La Bella Vita. Alors La Bella Vita, tout simplement, la vie est belle. C'est exactement ça. C'est le parfum La vie est belle et il tient super bien. Je n'ai pas à me plaindre du parfum Aldi. Ensuite, j'en ai deux autres. Celui-ci, le Brillant Gold. Alors lui, c'est celui que je porte au printemps. Le Brillant Gold et le Brillant Gold, il me fait penser, je sais pas si c'est le One Million, le J'adore de Dior, oh, je sais plus, c'est en tout cas c'est la réplique d'un parfum de luxe et il sent super bon. Ma belle-mère, à chaque fois que je le mets au beau jour, elle l'adore. Voilà. Et pour finir, le dernier, il est passé où? J'en ai 4. Le quatrième, il est où? Que j'en ai fait. Hop, il est là. Il est là. Alors, le quatrième, c'est le Woman. Toujours de chez Aldi. Et lui, il sent Tocade. Tocade. Oui. Tocade, je crois qu'il est discontinué. Il ne se trouve quasiment plus dans les parfumeries.
Alors lui, c'est un des parfums que je porte en automne. Il est chaud et doux à la fois. J'adore. Voilà. Donc ces quatre parfums-là, vous pouvez les trouver à Aldi. Et ceux-là, le Woman, je ne suis pas sûre que vous pourrez le trouver. Par contre, vous avez ces trois sur le Brilliant Gold, le Romance et le Bella Vita. Et la marque, c'est, je vais marquer, montrer un noir, c'est Anna Blondie. Anna Blondie. Ensuite, un autre que j'ai acheté en supermarché, c'est celui-ci. Je l'ai acheté à Netto, c'est le Pink Ice. Et ça me fait penser aux Escada. Ouais, ça me fait penser au parfum de la marque Escada. C'est fruité, c'est pétillant. Et il a un léger goût vanillé. Donc lui, je le porte également à la fin de l'été, en septembre en général. Ou en automne. Bah oui, à la fin de l'été, à l'automne. Voilà. Et pour finir, dans les supermarchés, à Netto, j'ai trouvé celui-ci. Alors lui, il parle de lui-même. C'est une réplique de Burberry. Ah oui. Ils sentent tellement bon. Moi, j'ai eu le vrai Burberry quand j'avais l'âge de 25 ans. À mes 25 ans, j'ai eu le vrai Burberry par ma cousine de Paris, qui est la marraine de mon fils. Et lui, je le sens à chaque fois. Chaque fois que je le mène vers moi, je suis obligée de le sentir. Et il a une super tenue. Je vous dis, Aldi et Netto, allez-y sans problème. Vous ne serez pas déçus. Et lui, pareil, à hauteur de 7 euros le parfum. Et voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé à Lidl le Suddenly. Alors lui, je ne sais pas du tout. Ah, oh, il sent super bon. Alors lui, je le sors au printemps et je le sors en été. Mais la plupart du temps, je le sors au printemps. Et il sent super bon. Et je me demande si c'est pas une note d'Aldi et qui n'a rien à voir avec tous les autres parfums de luxe. Je pense, à mon humble avis, si je me trompe, dites-le moi, si vous avez trouvé de quoi il s'agit. Le Suddenly, il y en a un qui. Il y en a deux. Le premier, le Suddenly, c'est Madame Glamour et c'est la réplique de Coco Mademoiselle. Et celui-là, c'est le numéro 2. Il avait une écriture noire rouge dessous. L'écriture rouge a disparu. Et je pense sincèrement que c'est une note, une fragrance de Lidl. Et il me fait penser. J'arrive. Il me fait penser à rien. Je pense qu'il ne reprend aucune grande note. Aucune note de luxe. Je pense. Je pense. En tout cas, c'est un pur régal. Je vous conseille d'aller les sentir. Donc lui, le Suddenly, vous le trouvez à Lidl. Ensuite, un autre que j'ai acheté à lui, le Touch. Je l'ai acheté à New Look. Et il sent super bon. La bouteille est superbe. Oh, il sent super bon, il est doux, il est chaud. Oh, je le porte en hiver celui-là. Dès que l'automne arrive, je le mets et sinon quasiment tout l'hiver, dès que j'ai une occasion, que je suis invitée à droite, à gauche, je le porte. C'est suivant l'ambiance, suivant l'état d'esprit. Soit j'ai envie quelque chose qui envoie, soit j'ai envie quelque chose de doux. Et lui, il est fort et doux en même temps. Ah, oh, j'adore, j'adore. Donc je vous montre, c'est une autre parfum de New Look et c'est le Touch. New Look, il est écrit là. Autre parfum, c'est marqué là et le nom Touch. Voilà, et lui m'a coûté 11 euros chez New Look. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
Récemment, à Noz, j'ai découvert la marque Tanya Beurre. J'avais pris deux parfums, un pour moi et un pour l'offrir à ma sœur. Regardez-moi cette bouteille. Le packaging est splendide. Le packaging est splendide. Et il m'a coûté 3,50 € à Lidl, à Noz. Et là, surprise, ma soeur, quand Steph se l'a pchité, elle me fait: ah, je m'attendais pas à ça, tu vois. Le bouchon, il est en métal, il est super dur. La bouteille, elle est en fer, elle est super lourde. Vraiment, c'est un vrai bijou, cette petite bouteille. C'est un vrai bijou. Et du coup, le jus que contient cette bouteille, Vanilla, Velvet Vanille by Tanya Beurre, c'est une vanille épicée. Ouais, il y a une petite pointe d'épices à l'intérieur. C'est très intéressant. Et ce genre de vanille, moi, je le porte l'hiver. Ça me donne un petit côté réconfort, un petit côté cocoon. J'aime bien. Cocoon. Voilà. Donc ça, c'était trouvable à Noz. Malheureusement, je crois qu'il n'y en a plus. Ça part tellement vite, ces machins. Récemment, je vous parlais d'un achat dans la boutique de Nov Mode. Encore une fois, Sophie, si tu passes par là, je t'embrasse. Dans la boutique Nov Mode, c'est une filiale de Défi Mode. Le Défi Mode s'arrête. En tout cas, tous les Nov Mode s'arrêtent. Ils étaient en cessation d'activité. Du coup, il y avait une grosse, grosse, grosse braderie. Et j'en ai profité. Ils vendaient des chaussures à 50%. Et après, une paire de chaussures achetées, l'autre offerte. Et en tout cas, sur les parfums, ça ne bougeait pas. Il y avait toujours 50% de remise sur le parfum. À savoir que le parfum valait 5,90 €, un truc comme ça, en magasin. Et donc après, vous faites le calcul, hein, ça revient à 2,99 € le parfum, quoi. J'ai pris l'exubérant, j'ai pris l'exploratrice. Et j'ai pris Diablotine. À quoi ça sent et à quoi ça me fait penser? Alors l'exploratrice, autant vous dire, ça me fait penser à rien du tout. Autant je me suis dit, oh, tiens, ça me fait penser à la petite robe noire. Eh ben, non. C'est vachement frais. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait penser. Ouais, c'est vachement, c'est doux, c'est sucré et c'est frais. C'est pétillant. C'est tellement frais en même temps. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je vais sortir au printemps. De temps en temps, quand il fait beau, je le mets. La marque, c'est New World. Voilà. Donc, si quelqu'un a eu l'occasion de mettre la main sur un de ses parfums et que ça n'est pas une note différente à tous les grands parfums, qu'il ne ressemble à aucun d'entre eux, ok. S'il ressemble à un parfum de parfumerie de luxe, mettez-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai pris l'exubérant. Et lui, l'exubérant, à 2,99 € toujours, il m'a fait penser. Ah oui. Il m'a fait penser à la pomme rouge de Nina Ricci. Au parfum Nina Ricci. Non, au parfum Nina de Nina Ricci. Donc c'est la pomme rouge. Et il sent super bon. Pour avoir eu le Nina Ricci, la pomme rouge, je peux vous le dire. Vraiment. Il est peut-être un petit peu plus doux. Forcément. Avoir l'exactitude du parfum, mais c'est exactement la même odeur. Ensuite, le Diablotine. Voilà, Diablotine, lui, je vous l'ai sorti dans mon haul. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est l'imitation, c'est le dupe de. C'est le dupe d'Angèle.
Et oui, donc lui, c'est un parfum d'hiver pour moi. Voilà. J'avais acheté chez Kiko l'ensemble parfum et les corps. C'est Romance et Désir. Et le jus, il est en train de se foncer. Il va falloir que je le termine vite. À chaque printemps et à chaque automne, je le sors. Et ça va être la dernière année là, parce que le jus est devenu vachement, vachement foncé. Il était beaucoup plus clair. Et même à l'intérieur, ici, j'ai plus trop de lotion pour le corps. Mais c'était vraiment une très, très belle découverte. Vraiment une très, très belle découverte. La bouteille, c'est juste. Elle est juste magnifique, c'est un vrai bijou. Et l'odeur, elle est terrible, elle est terrible. C'est vanillé, c'est doux, c'est chaud. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on va passer. Ensuite, j'ai eu dans. Donc, je me suis acheté moi un moment de bonheur à. Il y a plein de. Il y a plein de poussière, ça a pris la poussière, voyez-vous. Vous allez voir des petites particules volées, c'est normal. C'est la poussière qui émane mon panier à parfum. Alors j'avais acheté à Yves Rocher un moment de bonheur avec le gel douche et le lait pour le corps. Et Sissi, make-up, m'avait envoyé dans un swap le parfum, l'eau de toilette. J'avais fini mon parfum et du coup, elle m'a glissé un moment de bonheur. L'eau dans un swap, vide placard, et je l'adore, mon fils l'adore, mon homme l'adore, donc lui, ça c'est mon parfum d'été. Et franchement, il est tellement frais, il est fleuri, pétillant, oh, tellement frais, c'est un shit de fraîcheur. Donc lui, je mets tous les. Ensuite, je suis passée sur l'été, mais j'ai pas fini. Je ferai un montage. Je suis en train de terminer mon parfum. Oh là là, il est en train de. Et pareil, il est plus. Oh, il a pris la poussière là-dedans. Faudrait que je le range dans le placard. Alors, mon parfum, Chantal Thomas. Donc, encore une fois, le parfum et la crème pour le corps. Il n'en reste plus grand-chose. Donc, je le retire de la lumière. Il en reste plus grand chose. Et lui, c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai 20 ans. C'est un parfum que j'ai depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je l'adore. Franchement, j'ai découvert chez Nocibé quand j'avais 20 ans. Et lui, c'est un parfum que je porte l'hiver. Dès qu'il fait frais, je mets ça. Dès que j'ai une occasion en hiver, je mets celui-là. Ah, oh, il sent super bon. Il y a de la réglisse. Je sais pas si. Réglisse. C'est sûr qu'il y a des notes de réglisse dedans. Je sais plus trop ce qu'il y a comme note. Mais vraiment, c'est un inconditionnel de l'hiver pour moi. On revient à l'été. À l'été, j'ai eu par Marjorie, je crois. Je crois que c'est Marjorie qui me l'a envoyé celui-là. Dans un swap. J'ai eu la noix de coco, d'Yves Rocher. Et donc lui, c'est sûr. Je le porte l'été. Voilà, je le porte l'été, ça c'est sûr. Ensuite, un inconditionnel aussi que je m'achète chaque été dès que j'ai terminé, c'est le bronze de Goddess. Voilà, c'est lui. Le bronze Goddess, c'est d'Estée Lauder, mais il déchire, il déchire. Oh là là, mais ça sent la plage, ça sent le soleil, la crème solaire, ça sent tout ça. Oh là là, j'aime trop. Quand je l'ai découvert, j'avais acheté l'huile pour le corps. Et là, je ne l'ai pas retrouvée. Mais chez Peggy Sage, j'ai trouvé ça, qui ressemble. Chez Peggy Sage, j'ai trouvé le Lagon Island. C'est une eau de soin sublimatrice pour le corps. Donc, c'est une brume. Pour le corps, qui a les mêmes notes que le parfum Bronze Goddess d'Estée Lauder. Alors ça me fait un combo, mais je vous dis pas comment. Un truc de fou.
Et pour finir, mon parfum de tous les temps que je mets à toute saison, c'est celui-là. Love de Chloé. Oui, c'est une grande histoire d'amour. Je l'ai depuis que j'ai 30 ans. Voilà, j'en ai 37. Donc ça fait 7 ans que ça fait 7 ans que je me parfume avec ça pour les grandes occasions. Ah oh, mais il sent tellement bon et j'adore le. Voilà, je l'adore. Il est tellement, mais tellement bon. Il est tellement beau. Oh là là. Et mon homme, il l'adore. Il craque à chaque fois que je le porte. Oh, il me dit, qu'est-ce que tu sens? Ouais, je sais. Et donc je l'économise. Il coûte super cher. Donc je l'économise. À chaque, peu importe la saison, dès que je sors avec mon compagnon, je le mets. Je le mets. C'est un kiff personnel et c'est aussi un kiff pour le chéri. Donc franchement, c'est enfin, vraiment c'est une très 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 belle découverte et je ne peux que vous conseiller d'aller le sentir en pharmacie. En pharmacie. Ah zut, en parfumerie. Et voilà mes filles, les filles, on a fini. Il n'y a plus rien dans la boîte à parfum. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'avoir des alternatives petit prix. Et puis du coup, moi j'ai le temps de finir tout ça en attendant de trouver un boulot et de pouvoir m'offrir les vrais. Voilà. En attendant, je n'ai pas à me plaindre. J'ai de quoi tourner. Ça me plaît. Je les aime, ces parfums. Sinon, je ne les aurais pas achetés. Et c'était de très, très belles découvertes. Et j'étais tellement...